Good morning, Ali. Daniel Tzutz, aujourd'hui le Nishmat Rachamim Ben Rosa, Chaya Bat Tova, ainsi que le Refuat Raphaël, Zevulun Ben Chamalia, Miriam Bat Chassidadov Ben Yudit et Sarah Bat Bitirvika Batur Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi des prochaines études de Misha, contactez la communauté éternelle. Nous étions au Sechet Bechorot, Beregimel Mishnabet. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Alokiach Behema Mina. הלוקח בהמה מניקה מן הנוכרי, אינו חושש שמה בנה של אחרת היה. נכנס לתוך עדרו וראה את המבקירות מניקות ואת שאינן מבקירות מניקות. אינו חושש שמה בנה של זו בא לו אצל זו, או שמה בנה של זו בא לו אצל זו. משנה, un principe évoqué de deux manières très simple. Rabban Shimon ben Gamliel enseigne, sans discussion, c'est admis de tout le monde, Alokiach behema menika mina nochri. Celui qui achète une vache qui allaitait d'un goy. C'est-à-dire, chez un goy, il a vu là-bas, il y avait une vache qui était en train d'allaiter, qui donnait du lait, qui était en train de nourrir un petit veau. Et la question, elle est de savoir maintenant, moi j'achète cette vache, est-ce qu'ensuite, le prochain bébé qui va naître, je devrais peut-être craindre que c'est un béchor, on va expliquer pourquoi. Eh bien, la Mishnah enseigne qu'il n'a pas lieu de craindre. Peut-être que ce qu'il a vu, c'était en fait le veau, le fils d'une autre. Et on explique un petit peu mieux de quoi on parle, c'est très simple. Tout d'abord, on va refaire de l'ordre dans ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah. C'est nécessaire pour ensuite arriver enfin à la Mishnah. Tout d'abord, de manière générale, la plupart des mammifères, femelles, qu'il s'agisse des femmes, comme des animaux aussi femelles, en général, il n'y a du lait qu'après avoir mis bas ou avoir accouché. D'accord ? Sinon, en général, on ne donne pas de lait. Donc, de ce fait, première halakha à préciser, c'est apporté une Tiferet Israël qui fait beaucoup d'ordre dans mon rapport avec la Gemara, avec le Tosfot Yom Tov, tout soit. Et, dans tout cas, donc, si vous voyez une vache qui, initialement, ne donnait pas de lait, et un jour, vous voyez qu'elle donne du lait, et bien vous pourrez être sûr qu'au milieu, elle a couché. De ce fait, si vous achetez une vache de la sorte, d'un goy par exemple, et maintenant, vous voulez savoir, il va y avoir un petit veau qui va naître. Est-il béchor ou est-ce qu'il n'est pas béchor? La réponse, elle va être qu'il n'est pas béchor. Parce que si la mère, elle, allaite, c'est qu'elle a déjà accouché une fois, donc le deuxième qui vient, c'est plus un béchor. Premièrement, ça c'est avant de commencer. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des exceptions à la règle. Il y a des animaux qui sont capables de donner du lait alors qu'ils n'ont jamais mis bas. Il y a, ça a rapporté, je ne sais pas aujourd'hui concrètement, est-ce que ça se rencontre encore, mais en tout cas à l'époque de la Mishnah, de la Gemara, alors il y avait une certaine quantité, une minorité, mais non négligeable, qui existait, qui était capable de donner du lait. Dans le Tiferet Israël même, j'avais même vu que je crois que chez les Izim, ils rapportent là-bas dans les chèvres, que c'est plus fréquent. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas fait de recherche sur la question. En tout cas, que c'est plus fréquent chez les chèvres aussi, on rencontre des femelles qui sont capables d'allaiter alors qu'elles n'ont jamais mis bas. Alors maintenant, supposons à présent, on va passer le cap. Il y avait chez le goy une vache, vous savez que chez ce goy, il y a des vaches qui appartiennent à l'espèce de vaches qui allaitent alors qu'elles n'ont jamais accouché. Il y a une vache que vous savez que depuis qu'elle est née, elle donne du lait, depuis les premiers, alors qu'elle n'a jamais mis bas. Après 3 ans, 4 ans, on va parler avec la machine précédente, vous débarquez un jour et vous voulez acheter cette vache. Et vous ne savez pas est-ce que cette vache, elle a un jour mis bas. Maintenant, une chose de sûre, quand vous entrez chez le goy, vous voyez qu'il y a un petit veau qui est là en train de tirer du lait de cette vache. La question est de savoir est-ce que c'est sa mère ou non. Est-ce que de manière générale, un veau va aller chez une autre ou bien, si vous voyez qu'il y a un veau qui tire chez elle et un autre veau qui tire chez elle, c'est tout le sujet de notre Mishnah. Eh bien, pourquoi soupçonner que c'est plus sa mère, que c'est pas sa mère? Logiquement, la mère, elle, allaite. Alors, c'est ce que la Mishnah est venue m'enseigner, justement. Si tu vas voir qu'une vache, elle allaite un veau, même si c'est une vache qui donnait du lait avant, qui était capable de donner du lait avant de mettre bas, c'est une espèce comme ça, ça arrive, eh bien, malgré tout, on va te faire dépendre que le veau, puisque tu vois un veau qui tire, c'est sûr que le veau, c'est son petit. Et on ne va pas se mettre à soupçonner qu'il y a un veau qui a voulu s'adopter une mère ou elle a voulu adopter un... Ouais, il n'y a pas la DAS chez les animaux. Donc s'il y a la lettre, c'est que c'est sa mère naturelle. Sinon, c'est occasionnel, mais c'est un coup comme ça, un coup comme ça. S'il y a une vache, un veau qui vient constamment chez une, c'est sûr que c'est sa mère. C'est ce que la Mishnah m'enseigne.
Maintenant, il faut quand même préciser qu'il y a dans la Gemara, il y en a un safek. Est-ce que c'est, ça garantit à 100% ou c'est juste 90%? Quelle est la nafkamina? Quelle est la conséquence de ça? Est-ce que j'aurais le droit, ou bien quelqu'un qui va se mettre à égorger les deux dans une même journée? Cette vache-là est le petit veau, sans savoir ce que c'est son veau naturel, on ne l'a pas vu naître, mais on a vu qu'il faisait que de boire. Est-ce qu'on va le frapper parce qu'elle a transgressé l'interdit de Otto et de Bedo? Dans le doute, on ne le frappera pas parce qu'il reste quand même une certaine quantité de chance que ce soit pas un veau, mais c'est minime, c'est infime. Et de ce fait, dans le doute, malgré tout, on va dire que, que le prochain animal qui naîtra, il sera dispensé de la Bechora, il n'y aura plus de premier-né. Selon le même principe, maintenant, la Mishnah nous met encore, Rabban Shimon ben Gamliel, nous met encore dans une deuxième situation. Nichnas netoch edro. Il est parti voir son troupeau. Ils étaient enfermés dans la ferme, dans la grange, je sais pas. Il y avait là-bas, Vera et un meuf qui rote medikot, vechenon meuf qui rote medikot. Un beau matin, il débarque à la ferme, il ouvre là où il y a les vaches, l'étable. Et là-bas, il découvre qu'il y avait 10 vaches et 10 veaux. 10 vaches, parmi les 10 vaches, il y en a 5 qui datent, ça fait dire longtemps qu'elles des vieilles mamans, et d'autres, et 5 autres, que c'est des jeunes mamans. C'était des petites génisses qui sont devenues adultes et qui ont mis bas. Et chacune, elle a un petit qu'elle allait. Merveilleux, Mazal Tov, 10 naissances il y a eu dans ces 2-3 derniers jours, et il vient d'en prendre conscience. Maintenant, la question est de savoir qui est Bechor dans toute cette histoire. Est-ce que je veux me dire, bon, il est vrai que de manière générale, chaque veau, il va tirer le lait de sa mère, mais des fois, ça arrive d'aller chez la voisine, et le petit de la voisine, il va chez la mère, ou bien non. Pourquoi faire les choses tordues? Laisse le petit veau, chaque petit veau, aller chez sa mère naturelle. Et donc, dans ce cas-là, quelle est la conséquence? Il y a maintenant 10 nouveau-nés. Est-ce que dans le doute, je vais soupçonner que peut-être que les 10 ils sont Bechor, je ne sais pas qui est Bechor, qui n'est pas Bechor. Et de ce fait, je ne pourrais pas les consommer, je vais me prendre la tête avec eux, je ne vais plus pouvoir travailler avec eux, je vais attendre qu'ils vont vieillir pour qu'ils aient un défaut, que je puisse les consommer, avec tout ce que ça implique, le Bechor, comme ce qu'on a déjà évoqué. Ou bien non, garde le bon sens et dis-toi que chaque veau, il tire chez sa mère, donc il y a 5 jeunes mamans, donc les 5 veaux de là-bas, c'est eux les Bechorot, et les 5 autres, ce ne sont pas des Bechor. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que justement, c'est la deuxième option qu'elle a juste, que Nirnas Letor Edro, il est parti voir son. Il est parti à l'étable, il a vu son troupeau. Vera et un Mavkirot. Mais Nikot, il a vu qu'il y avait là-bas. Il y avait là-bas les Mavkirot. Mavkirot, c'est ça qu'il va mettre bas d'un premier Bechor. Les jeunes mamans qui étaient en train d'allaiter. Vehetch et un Mavkirot, mais Nikot. Et aussi les celles qui n'étaient pas jeunes mamans, qui étaient de plus longue date, qui avaient déjà mis bas. Qui ne donne pas de Bechor, donc, elles étaient elles aussi en train de médicot, d'allaiter. Eh bien, Eno Rochesh, Shema Benachelzo, Baalo et Celzo. Bon, Shema Benachelzo, Baalo et Celzo. Il n'y a pas lieu de craindre que peut-être que le petit de celle-ci est parti chez l'autre, et celle-ci, et l'autre est parti chez celle-ci. Non, tu gardes ton bon sens, et tu te dis, eux, les 5 là, ce sont eux, les 5 Bechor, et les autres ne sont pas les Bechorot. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.